Vous êtes venu aujourd'hui à l'exposition des voitures anciennes organisée dans le cadre de la foire à la Saint-Fort. Oui. Vous savez qu'il y a un petit concours ? Oui, je le sais, je viens de jouer. Oui, vous venez de jouer. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est quelle est la voiture qui a toutes vos faveurs aujourd'hui sur cette exposition ? L'attraction. L'attraction ? Oui. Oui, laquelle ? Ben, toutes. Celle-ci, la numéro 6. Oui, plus particulièrement ? Oui, plus particulièrement pour sa classe. Je trouve qu'elle est très belle, elle me plaît. Et ça vous rappelle aussi quelques souvenirs, non ? Mes parents, mes grands-parents. En avait une ? Oui, mon grand-père. Et elle me plaît pour plusieurs raisons. Et celle du grand-père, vous avez réussi à la conserver ? Non, hélas. Non ? Non, je ne sais même pas où elle est d'ailleurs. Mais vous... c'est plein de souvenirs. Voilà, et les souvenirs remontent quand on fait comme ça ces expositions ou ces défilés ? Oui, mais le choix est difficile pour le concours parce qu'elles sont toutes belles. Alors, hormis l'attraction, quel serait votre deuxième choix ? Celle-ci. Numéro 12. C'est Mercedes ? Numéro 12. Citroën Rosalie. Citroën. Aussi. Ex-aequo avec la traction. Elle est plus ancienne que la traction, hein ? Hein ? Ah oui. Elle est très belle aussi. Vous y connaissez un petit peu ? Pas du tout. En année de voiture ? Pas du tout. Marque automobile ? Pas du tout. C'est des coups de cœur. C'est plus au feeling. Voilà. Oui, c'est au feeling. Et la troisième, celle-ci là-bas au fond, noire et grise, oui aussi. Ah ouais. Ouais. Mais le choix est difficile parce qu'elles sont toutes magnifiques. Qu'elles sont belles, voilà. Et bien entretenues. Oui, en plus. Et bien entretenues, hein, ouais. Bien, nous allons vous laisser faire votre petit tour. Donc les férus de voiture qui nous ont permis de les voir aujourd'hui. Voilà. Voilà, et sachez à Jean-Jacques en particulier et à ce monsieur. Et sachez que la semaine prochaine, ils seront de nouveau là à Savignac. D'accord. Je ne le savais pas, je vous me l'apprenais, d'accord. Donc rendez-vous à Savignac. Une très bonne idée en tout cas. Merci.